John Killard, sergent première classe, matricule 717-8412. Iran, Guatemala, Colombie, Croatie. Très impressionnant. Je sais où vous voulez en venir, mais ça ne marchera pas. Non, sergent Killard, vous ne savez pas où je veux en venir. Je suis là pour nettoyer ce bordel. À condition que vous coopériez. Si je passe cette porte, tout ce que vous avez fait sera déclassifié. Vous serez condamné et renvoyé de l'armée. Vous passerez le reste de votre vie en prison. Désormais, sergent, le choix vous appartient. Une minute. Qu'attendez-vous de moi ? Dites-moi tout ce que vous savez sur la 7e vague. Des marchands d'armes. Spécialisés dans le matériel de pointe, très influents dans l'ancien bloc de l'Est. Ils bossent avec des organisations terroristes. La 7e vague est devenue notre priorité quand ils ont descendu 9 membres de l'agence. Exécution organisée. La division voulait à tout prix faire disparaître la 7e vague. Les renseignements avaient repéré 3 cibles potentielles. Le chef, Valencio, et ses 2 hommes de main, Rubin et Yevtushenko. 3 équipes devaient les surveiller jusqu'au moment de l'intervention. Je dirigeais une de ces équipes. Les renseignements pensaient que les Anglais, les Chinois et les Israéliens étaient aussi sur le coup. Tout le monde voulait ces types. Qui était le 4e homme ? Un mercenaire. Je ne m'intéressais pas tellement à lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est fait avoir.
bâtiment à l'ouest de l'équipe, bravo! Intercepte la cible.